En fait, après roi G6, j'avais déjà vu que tour A5 gagnait. Et donc j'allais jouer tour A5 et puis je me suis aperçu que j'avais beaucoup plus simple et que voilà, j'ai gagné tout de suite. Mais après, c'est sûr que la position, je voyais très bien qu'elle était gagnante. Et voilà, c'est vrai, c'est toujours bien de finir sur une jolie note, mais c'était pas le plus important. Le plus important aujourd'hui, c'était vraiment une victoire, on peut dire à l'arraché, mais excellente pour le moral. Pour faire simple, mes préparations n'ont pas bien fonctionné. Ça m'a pas aidé, évidemment. Et après, voilà, une fois qu'on se retrouve un peu en difficulté, c'est très difficile de revenir. Voilà, il est clair également que j'ai pas joué du tout à mon meilleur niveau, même en prenant pas en compte mes préparations qui ne sont pas tombées. Et bon, forcément, quand les préparations ne tombent pas à ce niveau, c'est un gros handicap, mais en plus, je me suis pas aidé par mon niveau de jeu après ça. A priori, je me suis trompé quand même dans ma préparation, même si j'avais regardé ça ce matin, mais ça m'a pas spécialement aidé apparemment. Après, la position semblait dangereuse pour moi, mais je pense que ça tenait et que Vladimir a cherché à obtenir trop de la position qu'il avait. Et on va dire que le vent a commencé à tourner quand j'ai pu obtenir mon contre-jeu avec Kaya 4-C5. Après, le pion A5 est toujours un très gros problème pour lui. Et je pense que juste avant le 40e, il a fauté. Et après, la position est sans espoir, au moins en pratique, puisque c'est juste impossible à défendre pour lui. Il faudrait une précision extrême pour espérer faire nul. Et encore, c'est loin d'être acquis que la position ne soit pas juste perdante. Oui, évidemment, je suis impatient de pouvoir rejouer à Paris. C'est vrai qu'on avait eu un très beau tournoi déjà l'année dernière. Et j'espère évidemment que ça va bien se passer pour moi. A priori, voilà, c'est un tournoi un peu plus fun, parce que c'est des parties rapides, c'est un peu plus décontracté. En même temps, il y a un enjeu. Tout le monde prend malgré tout l'événement très au sérieux. Voilà, j'espère juste pouvoir m'amuser et que les choses marchent mieux, évidemment, à Paris qu'elles n'ont marché jusqu'ici pour moi.